Bravo à tous pour tous vos coloriages! J'espère que le thème vous a plu, même si on n'a pas eu énormément de participation. Du coup, on va passer au thème du mois d'avril. Il s'agit du tartan. Donc, le tartan, c'est un, une étoffe en laine avec des fils de couleurs qui s'entrecroisent. Et donc, euh, vous avez le choix de créer votre propre tartan. Donc, je vais vous en afficher quelques-uns qui représentent euh, des clans écossais. Donc, euh, voilà, vous pouvez choisir. Donc, si vous voulez un réaliste ou alors vous pouvez carrément aller sur euh, un créé avec des couleurs fluo euh, je ne sais pas moi tout ce que vous voulez de... et mettre les lignes que vous voulez donc euh, vous pouvez aller dans des coloriages n'importe lesquels ou si vous préférez avoir déjà un croisillon pour le tartan vous avez euh, quelques coloriages donc ici dans le doudou Pardon. voilà dans le doudou ici on a des petits lapins donc euh, dans les lapins, on a des croisillons qui peuvent aider pour euh, la création du tartan. Du coup, oui, vous pouvez faire euh, par exemple voilà, des pages papier de pain. Après ici, dans le carré petite sorcière qui est sorti il y a peu. Vous avez deux illustrations où il y a euh, ici sur ses seins et là un tissu avec les croisillons qui peut être un tissu tartan. Chez les punks, c'est assez. Voilà. Sinon, vous avez une sorcière carrément écossaise qui, elle... Euh... Bah ici vous avez très très bien les, les croisillons. Donc euh, ce sera même plus facile pour vous. Et ensuite, vous pouvez aussi aller dans du Disney. Et donc dans le Disney. Ah, j'ai perdu mon. J'ai perdu mon. J'avais perdu mon marque-page. Donc euh, ici, vous avez Merida avec ses frères et ses frères sont kilt. Donc vous pouvez très bien faire... Euh faire ça et sinon du coup pour le thème Disney donc euh, voilà le thème Disney ce sera des coloriages de Mérida. donc oui je, pourquoi je ferme le livre vous avez cette page là qui va très bien vous avez une page aussi où il y a son portrait vous pouvez faire des marque-pages enfin vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez j'espère que ces deux thèmes vous plairont donc le thème hors Disney c'est le Tartan et le thème Disney c'est des coloriages de rebelles avec euh, ce que vous voulez qui fait en rapport avec Rebelle, donc les personnages, une scène, ou euh, les loups. Euh, pas les loups, les ours, désolé. Enfin voilà. Du coup, j'espère que ça vous plaira. À vos crayons et à très bientôt pour un nouveau colo. Bye bye!